Alors, vous êtes ici au Fouquet's, sur les Champs-Élysées, ce célèbre restaurant mythique connu dans le, non seulement sur Paris, mais dans le monde entier. Restaurant international qui reçoit non seulement des personnalités de tout continent et le très parisien, à savoir que ce soit la politique, le sport, les médias, de grandes signatures sont données tous les jours chez Fouquet's. J'ai le bonheur de les accueillir en tant que directeur de la clientèle. Je suis donc rentré au Fouquet's un petit peu avant les années 80. Je dirigeais alors une petite brigade de 6 sommeliers chez Fouquet's et diriger la brigade la plus importante du monde ici au Fouquet's Champs-Élysées à Paris. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler directement dans des très grands établissements, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les ors. J'étais au Régence Plaza Athénée, avenue Georges V, qui était un grand palace également renommé. On peut me croiser dans le centre de Chartres ou à la campagne, Saint-Thomas-des-Bois, devant la belle forêt de Bayeux-l'Évêque. On fait des spécialités que nous pratiquons également à Paris, des pains spéciaux avec la farine d'Eure-et-Loir. Nous pratiquons également en période de chasse le pâté de Chartres. J'ai apporté personnellement la recette du pâté de Chartres véritable à notre chef de cuisine, qui en était ravi et qui est heureux de la servir en période de chasse. Tous ces produits sont attirants et sont d'excellente nature et des beaux sujets à suivre par excellence.